Allez, bonjour tout le monde, ici c'est Nandron pour le 10e épisode de mon let's play sur le jeu Craft the World. Alors, quelques petites informations quand je démarre. Ça va être le dernier épisode de la série, parce que en fait je me suis rendu compte d'un truc. Oula, je suis under attack. Ah oui, c'est vrai. On sait pas si lui il va rester en vie. Donc j'ai dit que je jouerais tout seul dans mon coin histoire d'augmenter l'arbre des technologies. Pour accéder à ce qu'il fallait pour faire la première partie du mur. Sauf que si on regarde... Où est-ce qu'il est, elle est là, voilà. La première partie du portail, le seul truc qui manque, c'est le Gold Ingot. Sachant que en fait, j'ai pas mal de Mithrilin Ingot. Enfin, j'en ai un, histoire de... Après, les cristaux, c'est bon. Ce qui manque, c'est le Gold Ingot. Sauf que le Gold Ingot, il est là. Et plutôt loin. Mais si on remonte, d'abord il faut Expert Weaponry. Et ensuite, juste avant, il faut Silverworks. Mais pour Silverworks, il faut le Master Usalding, qui nécessite le Master Constructing, qui même nécessite les fortifications avancées. Le Master Householding nécessite le Weaving. Non, en fait, c'est... Toutes les recherches sont finissent par atterrir sur celle-là. Presque. Presque toutes. Donc en fait ça va, j'ai trouvé que ça allait me casser les doigts parce que c'est une partie en facile et ça nécessite d'aller jusqu'au bout du jeu pour pouvoir passer à la suite. Alors qu'on pourrait très bien, il suffirait de choper un Gold Ingot. D'ailleurs on va essayer de faire un truc. Je vais voir s'il n'y aurait pas là-dedans, ça pourrait peut-être m'aider. J'y ai pas pensé. 6. Ok, j'en ai acheté un. Il faudrait juste qu'ils aillent le chercher. Sachant que toi ça va, t'as encore envie. Le problème c'est qu'il y a une nouvelle tribu de gobelins qui s'est mise au bon endroit, tiens. Voilà. Donc c'est un peu le bordel. Je sais pas ce que tu fais toi. Ah, tu ramènes des trucs. C'est un petit peu le bordel. Ah oui, c'est vrai, je voulais défaire les lits. Non, c'est pas Remove Wooden Wall. Shunder Attack. Alors, je sais pas où tu vas, toi. Mais ça va être un gros massacre. Alors, t'as eu le poulet. Bon, si tu veux rentrer, il y a un portail. Tu vas te faire tuer. Ah, et puis c'est des gros banquignolos en fait, hein, aussi. Hein. Regarde ça. Mais te fous pas au milieu quand tu te barres. C'est n'importe quoi. Oh là là là. En plus, il se noie. Bon, c'est en fait c'est ça le problème, c'est que le jeu il est un peu trop, enfin il est trop con, enfin déjà les nains du jeu sont vraiment trop cons, donc ça devient assez difficilement gérable à la fin. Quand il y en a 8 et qu'il n'y en a pas un seul qui veut faire son boulot, c'est un peu chiant. Et en plus de ça, mais qu'est-ce que tu fous là toi? D'accord. Ouais, voilà, ça c'est le gros problème du jeu, c'est que plus ça va, plus ça devient difficile, plus ça devient casse-pied, alors que le jeu étant facile, mais en fait ça devient hardcore à cause des nains et à cause des objectifs qui deviennent un petit peu disproportionnés. Bon, il me l'a récupéré le Gold Ingot ou pas? Je suppose qu'il a dû tomber par là. Oui, il est là. Comment ça t'es under attack? Mais si tu pouvais le laisser tranquille aussi. Bon, j'ai récupéré un nain que j'avais paumé, mais... On va te rééquiper, tiens d'ailleurs. Hop. Vu que j'ai récupéré tous mes équipements. Voilà. T'as un grimpeur en plus. Voilà.
Mais qu'est-ce que vous foutez là aussi? Vous êtes vraiment une bande de branquignoles, mais c'est monstrueux quoi. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que vous foutez aussi? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, si j'arriverai pas à faire le tout l'arbre des constructions, parce que franchement, il y a des trucs qui me servent à rien. J'ai construit tant de trucs qui me servaient à rien, tout simplement parce qu'il fallait les faire. Genre ça. Ça, je vais le faire pour monter la basic fortification, mais ça va être tout, hein. Je vais pas utiliser pour plus de choses, hein. Voilà, ça y est, hop, craft tree. Du coup, j'ai obtenu le fishing et la danset constructing. Mais c'est tout, hein. Ça par contre, les échafaudages, à la limite, pourquoi pas. Sauf que on peut pas faire tout le bidouf qu'avec des échafaudages. Voilà, ça, pour augmenter toute la ligne, ça va être long. Voilà. Non, je vais pas virer le bloc. Fishing. Ouais, d'accord, c'est pour écouter du poisson, hein. Et après on atterrit sur le farming. Advanced cooking. Ouais non, mais il y a énormément de choses, mais en fait j'ai vraiment la flemme dans une partie en facile où on est juste à côté du portail de faire tout ça quoi. C'est une grosse flemme tout simplement. Ah ça y est, il en est tué. J'ai juste une sainte flemme de tout faire pour pas grand chose. Dire c'est simple, mais en même temps passer mon temps à récolter des ressources pour faire la même chose pendant 20 ans, ça va être très chiant. Il y en a un qui va se faire tuer. Allez. Vous allez me l'éliminer, ça va être très bien. Ça y est. Alors toi, c'est marrant comment t'es mort. Ah là là. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Voilà. Bouh, c'est la grosse galère. Heureusement que j'ai changé les lits parce que sinon ils passeraient plus leur temps à dormir qu'à faire leur boulot. Mais après il y a des trucs, j'en ai rien à fiche quoi. Explosion magique, récolte magique. Ouais si, il y a des trucs qui peuvent être sympas, mais bon. Ah ça, l'Advanced Alchemy, bah pour l'avoir, c'est super lent quoi. Et on passe par plein de trucs qui servent absolument à rien. Dire les trucs cosmétiques c'est cool, mais quand c'est pas trop obligé. Allez, tu vas me le finir. Voilà. Il reste plus beaucoup. Alors. Ah, ton lampe peut être plus beaucoup de vie. Mais c'est qui va y arriver en plus? Bah, t'es qui comme nain toi? T'es très vienne. Eh ben mon dieu. T'as été... vachement fort quand même. Hein. Alors, pourquoi ça crame ici? Ah tiens, je vais te mettre un portail ici, ça sera plus rapide.
Parce que là, il n'y a plus rien. Vous allez pouvoir aller me chercher le lingot d'or. On va voir. On va regarder. Voilà. On va regarder avec quoi ça, on fait le deuxième portail. Hein. Enfin, le deuxième morceau. Et si c'est pas trop compliqué, peut-être que je continuerai. Enfin, je pense que ça va redemander du mithril, tout ça. Et le problème, c'est que c'est vraiment les toutes dernières recherches, le mithril. Il est là. Donc en gros, là, on est carrément obligé de passer... Là, on est obligé de passer par le Cold Works pour arriver sur Master Alchemy, qui nécessite la 27 Alchemy, pour arriver sur le Mithril Works. Putain de merde. Alors, craft. C'était pas là. C'était voilà. Voilà. Alors, du style. Ok, lingot, ok. Non, c'est pas celui-là. C'est le blue que je cherche. Et où est le mithril? Parce que j'ai plein de petits morceaux de mithril, mais alors... Voilà, donc il y a 5 parties à faire. Si on veut crafter... On va crafter la suite. Où est la suite? Elle semble ne pas être là. Ok. Je peux savoir comment on fait une suite? Parce que j'ai fait la première partie, ok. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Est-ce que tu veux pas aller installer la porte? C'est possible. En tout cas, je me suis pas mal débrouillé parce que il y a un bon petit chemin tranquille pour y aller. Bon, un peu plein de toiles d'araignée, mais bon. Et des zones là un peu dangereuses. La zone au-dessus de la lave, ça serait cool d'aller chercher des œufs, mais un poil dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire là? D'accord, tu vas juste chercher la feuille qui... Les feuilles qui sont ici. Tu te fous de moi là? J'aurais pu te mettre un portail. Hein. Ça irait très bien. Bon, comment on craft la seconde partie du portail là? Tout ce que je cherche. Sinon je dis merde quoi. Hein. Il n'y a pas la seconde partie. Alors à moins que toi tu fasses quelque chose aussi. Ouais. Non, on dirait que non. C'est encore plus bizarre. C'est encore plus bizarre. Bon bah... Je sais pas... Oh. Et joli petit dragon là. T'as pas trop envie de s'attaquer quand même. Hein. Alors sinon là le... Log il me fait... Mais qu'est-ce que tu fous là toi? En plus c'est une sacrée mauvaise idée d'avoir d'avoir mis un archer. On va récupérer un mort de toute façon. Oh là là, c'est un peu n'importe quoi. Ok, toi il va falloir que tu t'équipes parce que sinon tu vas te faire buter.
Hop, hop. Hop, non. Voilà. Plus j'ai que des grimpeurs. C'est n'importe quoi. Voilà là. Il a l'air de bien se démerder. Plus il peut rentrer quand il veut. Tranquille. Alors toi, t'es quand même resté bloqué quoi. Alors fais-moi. Oh, il y a une pièce là. Là, il y a plein de trucs. T'as pas intérêt à te noyer, hein. Allez. Gros warrior. Voilà, ça y est. Bon gros warrior. Mettre un portail ici. On dirait que c'est ce qu'ils attendent. Ah, j'ai un nouveau craft. Ah non. J'ai cru. Bon, j'étais censé obtenir les plans de la seconde partie du portail, mais on dirait que non, il a pas envie. C'est un peu emmerdant parce que du coup, je peux plus continuer. Ils ont pété ma porte. Oula. Ah, j'ai perdu une porte. En plus, ils sont affamés. Bon, bah laissez tomber, je pense que là, on arrive vraiment au bout des esprits. Bah, de toute façon, j'avais dit que ça serait une petite aventure, donc 10 épisodes, ça suffit largement. En tout cas, pour une aventure découverte. J'espère que le jeu s'est un petit peu corrigé, on va dire. Parce que là, franchement... comment dire? J'ai un peu vu mieux, quoi. Il y a des problèmes au niveau de l'algorithme de Pathfinding des... Oui, je sais, il faut que je replace la porte, mais une fois qu'il l'aura rentrée. Il y a des problèmes au niveau du Pathfinding des nains, leur comportement, puis l'arbre de craft aussi qui est juste atroce. C'est assez infernal. Enfin, bon, en tout cas, je m'éclate. Je me suis quand même pas mal éclaté sur... Sur Craft the World, je vous conseille, de toute façon, si vous avez un peu plus de courage que moi et si vous comprenez pourquoi il ne file pas la dernière partie, enfin la partie suivante du portail. Oui, je sais, il va réparer tout ça. En plus, il n'y a plus de bouffe. Ah si, moi, j'ai la bouffe. Il me reste un peu de nourriture. Ah, mais si, il reste. Hop. Voilà, si. Ça y est, la maison a été réparée. Bon, en tout cas, bah tiens, on arrive à la fin de l'épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, hein, cette petite saison. Alors moi, la fin m'a un petit peu saoulé, je dois avouer, mais en tout cas, le début, je me suis bien éclaté. La phase de recherche, tout ça, de fight, c'était plutôt sympathique. Mais il reste quand même des problèmes d'équilibrage. Bon, c'est un jeu indépendant, c'est pas un jeu fait par des grosses boîtes, donc on va pas trop gueuler non plus. Hein. C'est quand même de la très bonne qualité au niveau graphisme, au niveau jeu. C'est un très bon jeu qui vaut le détour, mais pour l'instant il a quelques petits problèmes qui font qu'il est un petit peu difficilement jouable parfois. Bon, ben, en tout cas j'espère que ça vous aura tous plu. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo. Et puis à la prochaine, salut à tous!